Il existe deux grandes catégories d'émotions, les émotions positives, traduites par la joie, l'intérêt, la surprise, et les émotions négatives, qui vont de la tristesse jusqu'à l'hostilité. Dans l'expression de ces émotions, au niveau du visage, les neurologues ont remarqué une asymétrie. Ainsi, lorsqu'une contrariété survient, la partie gauche du visage, dépendante du cerveau droit, se contracte, et à l'inverse, lorsqu'on sourit, c'est plutôt le côté droit, dépendant du cerveau gauche, qui réagit. Ils ont aussi remarqué que des patients dont l'hémisphère antérieur gauche présentait une lésion étaient dépressifs et tristes. Inversement, chez des patients présentant une lésion antérieure de l'hémisphère droit, ces derniers sont plutôt positifs. On en a déduit que le cerveau droit commande les émotions négatives et le cerveau gauche les émotions positives. Si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à les partager à vos contacts et à vous abonner à ma chaîne YouTube.